C'est la danse d'amour qui nous brise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. Brise d'être si près et de tourner tendrement comme la vue. N'oublie pas cette valse-là, mon bonheur, promène de toi. La jardinière que vous avez devant vous, c'est une jardinière qui servait à l'époque où s'effectuait encore la trempe du Mans. Elle partait avec le troupeau de moutons dans les alpages. Voilà. Avec son cheval qui s'appelle Tango et qui a 26 ans. Il est tout jeune. Il avait participé au 10e anniversaire déjà. Alors là, c'est M. Salier, avec Amesumave. Le nom ne le connaissez pas, le nom. Belave. Comment? Vanessa? Une saume. Ah, Vanessa, mais c'est tout mal encore. Je parlais bien comme une autre. Voilà, et ça c'est la ferme roulante de Roger Vernier et de sa fille, belle fille, de Lille-sur-Sorgue, qui nous a fait la gentillesse de venir participer au défilé du monument du cheval à Montlégès. Merci beaucoup. Ensuite, on attaque les récoltes avec le tombereau de fumier mené par Gervais et Marc Bertrand. Deux chevaux comme toi, Lali 10 ans et Pompon 7 ans. Voilà, et le de Saint-Étienne du Grèce. Et le fumier, c'est du vrai et c'est du bon. Alors, monsieur Josué Daniel, il s'en va en courant, qui nous arrive à l'oreille avec la charrue pour défoncer. Ensuite, des Molégeois, les Fabre, Pierre Fabre avec Ratou et son fils Frédéric Fabre avec le bus, avec une superbe charrette de canne pour faire les abris. S'il y en a qui font
des pommes d'amour, des melons, des... Voilà, je me dépêche parce que... Arrête un peu, coupe un peu, coupe. Arrête un peu. Autrement, je bats court et j'arriverai pas à expliquer tout ce que ça représente. Le cheval qui est dans les bras, c'est Nuage. Nuage de Vincent Fort, et donc c'est Romain, son fils qui le mène. Sur la charrette, il y a tout le matériel nécessaire à la récolte de la plantation, à la récolte du faillot. Voilà. Et le matériel qui déporte et qui fonctionne. Ensuite, la petite machine pour semer les faillots. Alors ce matin, j'avais pas de faillots, on a mis des barbaillés dedans. Mais maintenant, il n'y en a plus. Et elle fonctionne bien. Voilà. Nicolas Fort avec Saphir. Hein, exactement, c'est ça. Hein. Et lui, il représente le matériel nécessaire à la culture de la pomme de terre. Voilà, avec tout le matériel nécessaire et suffisant. Merci. Allez. Et c'est le fils de Vincent Fort aussi. Voilà. Alors, Gérard Cabassu de Saint-Rémy, avec son cheval, ou ce qu'il est, lui, Lisette. C'est une jument de 9 ans. Jument comtoise de Saint-Rémy. Ensuite, je parle un peu d'avance, c'est la faucheuse pour couper les prés, menée par Vincent Rousset de Château-Renard, avec le comtois Eros qui a 14 ans. Magnifique cheval et le charretier, alors regardez un peu, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, merci. Ensuite, René Baume. Montessièvre qui René Bonne, qui mène à la fameuse avec un comtois de 11 ans, merci, de Barbantane, merci René. Ensuite, arrête-toi un peu, toi, le jeune, s'il te plaît, stop un peu. Voilà, vous avez devant vous un spécimen de mon geste, Alain Fort, qui nous a prêté le râteau, et qui est un super bêta, il a la jument Caline de Christian Giraud. Merci Alain. Derrière, la ridelle menée par Yves et Céline Genevet, qui ont deux comtois, ils sont de Château-Renard, le comtois Javert, 11 ans, et le comtois Cookie, 10 ans. Voilà, merci. Ensuite, le meilleur, Roger Vernier, qui nous a mené à ferme roulante, qui nous a mené deux chevaux, et qui fait son tour de jardinière avec la comtoise Réna, de 4 ans, toute jeune, mais déjà bien réglée et bien dans les bras. Merci Roger. Alors, attention au semoir qui arrive, là, poussez-vous un peu s'il vous plaît, parce que le cheval risque de faire quelques petits écarts. Alors, c'est le comtois Safran, 3 ans, qui est tout jeune, qui était mené par Aurélien Ricot de Montlégès, et c'est le cheval de son grand-père, Daniel Ricot, Daniel Jovian, d'Oreille. Rayplan, tu connais, arrache-t'en pas. Oh, arrache-t'en pas, voilà. Alors là, nous avons... où on en est, la moissonneuse de Lierge menée par Georges Duravan, et il y avait Jean-Paul Duravan qui se sont échangés aussi de charretier avec un comtois Ourosis 7 ans et un comtois Pétillan 6 ans et deux chevaux qui marchent à merveille, qui sont réglés et menés par un chef en l'occurrence de Boulbon, et c'est lui qui mène la charrette de Boulbon et qui passe sous l'arche. Voilà, hein. Jusqu'à maintenant, il n'est pas arrivé à tomber la voûte, mais peut-être qu'un jour ça y arrivera, parce qu'à force de faire des charrettes aussi hautes, vous risquez de pas... Non, mais ça se passe toujours bien, et vous venez comme un des chefs. Merci beaucoup. Allez, petit, allez. Allez. Alors, la jardinière qui est derrière, en l'occurrence, tout à l'heure, on aura juste une petite seconde. Cette jardinière nous a été donnée par M. Bouquerel. De plein d'ordres. Alors, je crois que, je ne sais pas si sa petite fille est encore dessus, voilà. Sa petite fille voulait monter sur la charrette de mes grands-pères, mais qui est menée par Michel Moutabel avec Betty, ils sont de Monsanne, tous les deux. Voilà, merci beaucoup.
Cette charrette, on l'avait récupérée en kit. Je ne veux pas faire de pub, mais c'était un peu comme si elle était allée chez Ikea. Elle était toute démontée, les essieux, les roues, les ridelles, les bras, il y avait tout démonté, et elle était complète. Voilà.